Bélier. Les couples seront aux anges avec Vénus qui les pousse. Ils ne peuvent que se réjouir du temps qu'ils passent ensemble. Les célibataires en profiteront pour partir à la chasse. C'est l'époque et le gibier sera présent. Côté travail, c'est plutôt une semaine de relaxation. Les finances, elles tentent de remonter. La santé est bonne, le soleil vous a stimulé. Côté forme, vous vous portez à merveille. Le 2 vous accompagne dans la chance. On va... Taureau. Vous êtes d'un calme olympien cette semaine, les taureaux. Cette sérénité pourrait vous permettre de faire une rencontre sentimentale des plus intéressantes. Ne négligez aucun détail. Côté travail, c'est la pleine forme. Vous vous sentez en harmonie avec vos collègues. Vous ferez votre maximum pour satisfaire votre employeur. Et vous en serez récompensé. Côté finance, une rentrée d'argent inattendue pourrait vous surprendre agréablement. Le 8 et le 13 seront votre couplet gagnant. Gémeaux. Tout va bien chez vous. Vénus vous protège et entretient le couple et les rencontres. Et Jupiter vous renforce, faisant de vous un guerrier au travail. Des projets que vous aimeriez mettre en place tout au long de la semaine et qui pourraient vous apporter de nouveaux contrats ou venir renforcer vos ambitions. Juste un petit point noir, les Gémeaux. Vous avez tendance à oublier le sport, élément essentiel à votre bien-être. Reprenez les petits repas légers et reprenez le sport. Et marchez, c'est bon pour votre système veineux. Chez les Gémeaux, je vois le 7 briller pour vous. Cancer. C'est en famille que vous vous sentirez le mieux cette semaine. Vous vous sentez en pleine forme, l'automne vous va bien. Vous vous sentez séductrice, séducteur et arborez les couleurs qui vous mettent en valeur. Ce qui attire particulièrement le sexe opposé qui vous trouve radieux. Le travail, il suit et le reste, quand on est bien dans sa peau, ça se voit et ça motive. Côté forme, vous continuerez à vous motiver également. L'été est fini, mais pas question de se laisser aller. Vous avez bien raison, les cancers. Continuez à entretenir votre forme. Au jeu, vous vous régalerez en entamant une période faste. Privilégiez le 9. Lion. Ne vous laissez pas persécuter dans votre travail, les lions. Si certains ne reconnaissent pas vos valeurs, d'autres vous porteront afin de vous faire retrouver confiance en vous. Vous saurez vous sortir de tous les conflits environnants. En amour, c'est encore crinière au vent que vous séduirez votre entourage. En famille, vous vous montrerez exigeant et parfois agaçant. Heureusement qu'on vous aime, les lions. Je vous recommande la vitamine C. Vos batteries sont un peu à plat. La chance n'est pas trop au rendez-vous. Toutefois, le 6 vous aidera à vous sortir de là. Vierge, une semaine pleine de vitalité, d'activités en tout genre vous attend. Vous commencerez le mois de novembre sur les chapeaux de roue. Vous montrant sous un nouveau jour, dans votre travail, vous aurez envie de vous démarquer. En amour, c'est plus calme. Ayant subi l'influence d'Uranus, vous vous lassez un peu de partir à la conquête de celui qui n'existe pas. Vous risquez de redescendre un peu plus sur Terre, ce qui pourrait vous permettre de rencontrer plus facilement votre moitié. Attention à votre digestion, mangez lentement et misez sur le 8 et le 9, les Vierges. Balance. Un peu lasse, les Balances, vous n'aimez pas trop cette période qui vous plonge dans un climat un peu morose. Heureusement qu'au travail, vous tirerez parti des fruits que Mars a placés sur votre chemin. Votre récolte devrait être abondante. Pour certains, c'est une page qui se tourne en amour et une autre qui devrait s'ouvrir. Le soleil brillera sur votre signe et la chance devrait être au rendez-vous. Sachez en profiter. Pensez massage et relaxation, je vous recommande celui au chocolat. Effet anti-stress assuré. Le 2 et le 3 seront vos jours préférés. Scorpion. Les Scorpions, vous aborderez votre anniversaire en pleine forme. L'envie de tout changer dans votre quotidien, de profiter enfin de la vie comme vous l'entendez. Vos amis et votre famille vous entourera de leur amour, vous soutiendra dans vos futurs projets. L'envie de voyager ou même de déménager pourrait se faire sentir. Côté cœur, votre magnétisme attirera tel un aimant les autres, vous trouveront intéressant et drôle. Côté énergie, c'est la pleine forme, le temps ne vous atteint pas les Scorpions. Continuez à entretenir votre forme et ajoutez aussi une petite touche de relaxation. Tout le monde sait que vous n'êtes pas très joueur, pourtant cette semaine, c'est à travers le 5 que vous brillez. Sagittaire, l'avenir est votre principale préoccupation. Vous assemblez les cubes afin de construire un édifice solide. Vous avez l'impression que ce que vous avez mis en place dernièrement ne vous mène à rien. Reprenez confiance en vous et sachez changer de cap et tout ira bien.
Côté cœur, l'influence de Vénus chez vous la semaine dernière vous laisse encore un petit peu de répit en couple. Vous vous sentirez en harmonie et les rencontres pour les célibataires, l'heure sera toujours au rendez-vous. Stimulez-vous, choisissez un sport qui vous correspond, histoire d'éliminer les toxines. Le 4 et le 16 seront vos partenaires de jeu. Capricorne, le travail vous passionne en ce moment. Vous savez vous mettre en valeur. Une promotion pourrait voir le jour. Certains en profiteront pour changer carrément de voie, voire se mettre à leur compte. Votre petit cœur souffre. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. En couple, vous manquez de communication et votre partenaire vous le reproche. Les célibataires sont invités à y mettre un petit peu plus du leur pour changer leur rythme de vie. Le 3 vous est favorable. Mangez léger et vitaminé, les Capricornes. Verseau, vous êtes un peu sur la défensive, vos collègues vous le reprochent et vous évitent. Vous savez toutefois avancer et faire progresser ce qui vous entoure. Votre autorité finira par payer et l'on comprendra alors votre motivation. Côté cœur, Cupidon vous surveille de près. Vous ne resterez pas seul longtemps. Les couples devront redoubler de vigilance pour garder leur fidélité. Plaisir retrouvé en famille, vitalité un peu en baisse. Faites le plein de magnésium et c'est le 5 et le 7 qui seront vos alliés. Poissons. Fatigue passagère en ce début de semaine, mais des souvenirs plein la tête. Au travail, vous privilégiez la qualité à la quantité. Vous serez un peu irritable, les poissons. Trop exigeant avec votre entourage, mais perfectionniste, vous avancerez positivement. Les sentiments seront au beau fixe. Communication, petit dîner en amoureux viendront agrémenter vos soirées au coin du feu. Côté forme, vous serez un peu fainéant. Il faut le dire, préférant vous délasser dans un bain plutôt que de courir le matin. Une cure de ginseng serait la bienvenue. L'as est votre chiffre porte-bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Il est gros yeux.